Oh là là, c'est la galère, regardez! Ah. Yo les amis, c'est Neosia. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur des photos. Aujourd'hui je vais vous montrer des photos qui vont faciliter votre vie. Donc voilà, c'est des photos que j'ai trouvées sur internet. Donc ils ne viennent pas de moi, hein, je le dis tout de suite. Mais bon, c'est pas grave, je partage, hein, je suis pas un radin. Je vais vous montrer des photos, des idées qui vont faciliter dans votre vie. Voilà, des astuces. Et vous allez voir que c'est vraiment un truc de ouf. On va commencer tout de suite, je vais vous montrer les photos et vous allez me dire ce que vous en pensez. Une idée pour ranger des habits plus facilement. Parce que quand vous partez en vacances, il y a votre daronne qui vous appelle et qui vous dit: allez, on prend une valise pour deux et... T'as plus de place, tu dois mettre un caleçon dedans, hein. C'est un peu la merde, donc je vous dis c'est une très bonne idée. En gros, vous mettez les habits verticalement et voilà, vous avez plus de place, tu vois. Le tout entassé comme une merde, et bah t'as plus de place comme ça, ok? Donc voilà une astuce pour mettre deux bols en même temps dans un micro-ondes. C'est une très bonne astuce, voilà, faut juste faire gaffe parce que c'est une astuce bonne mais dangereuse. Si le bol il se pète la gueule le temps que ça tourne, vous êtes bien dans la merde. Si vous puez des panards dans vos chaussures, vous mettez un sachet de thé et ça va faire partir l'odeur. Vous avez moins pué des pieds, ça va être mieux, hein? Parce que quand on pue des pieds, c'est pas du tout romantique. Si vous faites des pâtes, vous savez pas trop gérer l'eau, hein, quand c'est bouillant, vous mettez une cuillère à plat, comme ça, comme la photo, et vous allez voir que ça va être une idée de génie. C'est pour éviter que l'eau déborde, donc voilà, c'est une très très bonne idée. Voilà, je ne fais pas à manger chez moi, donc moi je l'ai pas utilisé, mais bon, s'il y a une photo comme ça, c'est que ça marche. Donc si vous avez un téléphone qui se décharge tous les heures, hein, si vous avez un iPhone particulièrement. Donc le mode avion, on désactive tous les réseaux, mais bon, au moins ça vous permet de pas perdre votre batterie. À la vitesse de la lumière, hein, c'est plutôt pratique parce que quand vous avez un iPhone que vous devez recharger tous les 30 minutes, c'est pas pratique. Je fais une vidéo avec mon iPhone et dans 10 minutes je vais le recharger, hein. C'est la merde. Alors ça c'est une très bonne idée, c'est un truc de ouf. C'est un peu la même merde. Là, ah là parfait, voilà, là vous le voyez. En gros c'est la même chose, mais bon moi j'avais pas encore eu l'idée, donc j'ai bien galéré pour l'attacher, j'ai fait des vis au pif, tu vois. Et ça m'a rentré poche, j'ai dû faire 40 trous à 1 mm près pour que ça rentre. Si vous voulez clouer un objet, tout simplement imprimez-le avant, comme ça vous sortez la feuille et vous avez les trous et voilà, c'est la vraie taille, hein. Vous pouvez essayer, ça marche vraiment. Moi j'ai bien galéré avec le truc derrière, mais c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Prenez une pince, vous appuyez sur le clou, vous gardez le clou. Ça vous permet de pas mettre votre main sur le clou comme ça, taper et vous péter le doigt, d'accord? C'est vraiment utile, hein. Alors ça c'est une dinguerie aussi, j'ai jamais essayé, ça a l'air vraiment pas mal. Moi si vous voulez, c'est une chaussette tout en un. Vous pouvez mettre un parapluie, vous pouvez mettre un ballon, vous pouvez tout mettre dans votre chaussette. C'est un truc de ouf. Regardez l'image, donc la première, voilà un t-shirt, vous enroulez une autre paire, un caleçon. Hop, 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 après vous mettez tout ce que vous voulez dans votre chaussette. Voilà, c'est une chaussette magique. Ok, Joséphine Ange Gardien. Ça, c'est la méthode d'enculé. Alors voilà, s'il y a un enculé dans votre ascenseur qui appuie sur tous les boutons pour vous faire chier, hein, pour vous arrêter à tous les étages, et bien tout simplement, vous allez appuyer deux fois sur le bouton et il va s'enlever, normalement. J'ai jamais essayé parce que j'ai pas d'ascenseur à proximité, hein. Mais essayez, vous me dites dans les commentaires, ça marche vraiment. Voilà, moi je vous partage des photos, hein. Après peut-être pas que tout marche. Alors ça c'est un gif vraiment patate, c'est une dinguerie. Si vous voulez devenir le pro des pliages de t-shirts, votre mère elle arrive, elle fait: bon, tu me plies ça tout de suite, hein. Vous faites le padré, vous arrivez, hop hop hop. Voilà, en 2 minutes c'est fini. Je vais essayer dans 1 minute, hein. Je vais vous montrer que ça marche, si j'y arrive. Donc les amis, voilà, je vais essayer, vous voyez pas ma tête, c'est normal, hein. Je peux pas vous montrer, je vais vous montrer ma... Donc on va commencer, on va essayer. Voilà, juste, okay. Vous mettez en gros le t-shirt à plat, vous prenez l'extrémité, si j'ai bien compris, parce que je suis pas un pro. Ensuite vous allez chercher l'autre bout là-bas, hop, et là je ne sais plus, faut faire quoi, là faut faire ça, hop, et ben voilà, Joumi. Voilà, c'était une vidéo vraiment sympathique pour vous montrer des astuces pour faciliter votre vie. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'était vraiment une vidéo tranquille pour vous montrer des images vraiment intéressantes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse mettre un maximum de likes. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao!